Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever walk. Oh, hush, my dear, it's been a difficult year. Terrors don't prey on innocent victims. Trust me, darling. Trust me, darling. Coucou tout le monde. Donc voilà, je vous montre les oracles que je vais utiliser. Je filme différemment parce que j'ai beaucoup de choses à faire, donc pas le temps de me poser vraiment. Donc nous allons faire le semestriel, donc le reste de l'année. Donc nous, au mois de juillet, on sera de l'avant, on ira de l'avant, on aura des choses derrière nous. On sera en pleine donc de réflexion, hein, de changement, de partage, une autre façon de se nourrir, une autre façon de voir les choses. Hein. Donc c'est une nouvelle ouverture, c'est donc un miroir magique. Hein. Ensuite, donc on a l'ouverture sur ces nouvelles choses, une nouvelle destinée. Nous avons ensuite le quantique et l'espace-temps. Nous avons la terre et le monde. Donc, les choses qui changeront, changeront aussi en même temps pour le monde, même si c'est chez nous. Il y a des gens qui vont travailler, mais une minorité, hein, à manifester. Et il va se passer des choses qui vont être révélés concernant des mensonges aux USA. Et là, nous avons donc une réflexion. Un voyage, donc des nouvelles choses qui... Donc là, on a l'intuition, la réflexion et les rêves qui s'exaucent, mais... Attention. Vous voyez la carte? Faut se méfier de certaines choses qui vont être exaucées. Il y a peut-être d'autres choses cachées en dessous. Donc, on verra par la suite. Voilà pour le mois de juillet en France. Il y a quand même de belles choses dans l'ensemble. Mois d'août en France, donc on voit l'effondrement de certaines choses pour aller vers quelque chose de plus, plus sain. Hein. Une meilleure chose, c'est l'étoile, c'est la chance. Malgré des pertes qu'il y aura eu, hein, bon, je pense que vous pouvez comprendre à quoi elles seront dues. On a un roi de bâton. Hein. Donc, un roi de bâton qui a le fusil derrière. Hein. Confiance et leadership. Hein. C'est une nouvelle personne qui a des nouvelles idées. Donc, en dessous, là, on a un homme qui va faire s'écrouler certaines choses. Donc, peut-être que c'est toujours lui. On a la clairvoyance, donc la vérité sur des choses par rapport à de meilleurs jours. Hein. Là, on nous dit que malgré tout, il va falloir se mettre une chose spirituelle, se reconcentrer sur soi. Mais sur l'homme, on voit l'enfermement et réunion. Donc, est-ce qu'ils vont préparer de nouveau le coco qui va revenir au mois d'août? Je sais pas. Ce sera beaucoup plus précis quand je ferai moi. Par mois, juste en longue vidéo. Là, je le fais assez court et short. Et d'ici là, ça peut changer. Les énergies changent. Beaucoup de choses vont se passer. Hein. Et on peut pas tout nous dire. Là, on a un homme donc qui va... Enfin, on a la justice, la loi. Et là, en dessous de la vérité, on a OVNI et Matrice. Donc, est-ce qu'il serait pas en train de nous préparer un petit projet Blue Bim Bim, là? Donc là, on a... De rester accroché à la foi et à Dieu, qu'il y a une énergie divine.
Là, on nous dit que ça va être sportif, mais dans l'amour. Donc, réunion, ça peut être aussi le peuple hein, qui soit contre les enfermements. Et pour finir, on a le renard. Donc, il va falloir faire attention à quelqu'un. On a une femme de cœur aussi. Et la fin de quelque chose. La fin de la fin peut-être de tout ça là hein, qui fait qu'on est dans la on est dé, enfin, on est un peu démunis, on a eu des pertes, peut-être la fin de la guerre, c'est lié aussi chez nous, donc ce sera plus précis je pense bientôt quand je le ferai vraiment au mois quoi. Là ça reste plus ou moins flou. Et puis les énergies me disent ce qu'elles ont envie de me dire. Donc pour le moment, on est là-dessus. Et à la fin, le commencement de quelque chose de nouveau. Et on nous annonce un homme qui va nous amener vers un commencement aussi. Voilà, tout le monde. De septembre en France. Donc là, on va laisser derrière nous des problèmes qui étaient là depuis longtemps. Les gens vont vraiment commencer à s'entraider, à s'allier. Et on voit qu'il y a une très bonne entente là. Il se passe vraiment des belles choses. Il y a des gens qui se réunissent. OK? Ensuite, donc les gens travaillent pour reconstruire. Enfin, c'est ce que je ressens. Des choses, ils travaillent en réunion. C'est le rêve, enfin le rêve ou les choses qui vont se réaliser, donc qu'on s'entende bien, que les gens soient en paix et tout, que ce soit bonheur professionnel et niveau pour tout, ça prendra un peu de retard. Mais ça va arriver. Et là, vous voyez, on était dans la convivialité, je vous disais, fête et amitié. C'est s'épanouir, c'est créatif, c'est émotionnel. Et on a l'amitié, le temps. Donc, il va falloir du temps pour que les gens se réunissent, se salissent, se retrouvent tout ce qu'on a perdu. Parce qu'on nous a fait vraiment de la manipulation. Donc, on nous a vraiment mis seul pour beaucoup. Hein. Et là, on nous dit que c'est du cinéma. Il faut voir la vérité. Et justement, ils vont travailler pour nous mettre ça loin derrière. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer. Et là, on a la sorcellerie et le féminisme. Donc, si ça prend du retard, c'est parce qu'ils vont continuer de faire des mauvaises choses. Mais on a la royauté et la couronne. Donc, moi, je pencherais plus pour une femme. Une femme liée à la royauté ou peut-être la présidente ou le président ou quelqu'un qui va se montrer vraiment en puissance, en tout cas. Qui va montrer qui elle est. Là, nous avons la faucille. Donc, la faucille, ça vient faire un changement radical au niveau de l'argent. Et nous avons le soleil. Donc, il y a des gens qui vont... on a le fouet. Donc, il y a des gens qui vont passer en jugement. Il y a une alliance. Et il y a des choses qui vont s'effondrer. Il y a de grosses... comment vous dire? Il y a de grosses choses financières qui vont se créer, mais ça va être pour nous donner de l'abondance, parce que le soleil est plus fort que tout, donc adoucit ce qui est mauvais. Donc il va y avoir vraiment
une reconstruction au niveau de l'argent, de l'abondance, du bon vivre. Voilà ce que je peux voir pour le mois de septembre, pour la France. Donc, pour le mois d'octobre, ça va être folklore, si vous pouvez voir. Hein. Donc, on a l'as de coupe. Donc, on nous parle donc de bénédiction, de choses... de belles choses, hein, bénédiction dans tout qui vont arriver. On a le 8 de coin. Donc, le 8 de coin qui est renversé, pas tip top. Et on a le 7 d'épée. Donc, le 8 de coin, on nous dit que, ben, on va être, enfin, il va y avoir des débordements, des choses qui font que. Ils vont être débordés, des choses imprévues. Et le 7 de coupe, on nous dit de faire attention à nos arrières. Il va se passer des choses. On nous parle d'insécurité, de protéger ce qui vous appartient. Et nous méfier de tout comportement malhonnête. Donc là, on revient à l'as de coupe. On a la réunion et le carrefour. Donc, on a une bénédiction à la réunion, un changement de carrefour. On est vraiment dans un changement. Là, ils vont être débordés. On a l'ouverture et l'enfant. Donc, est-ce qu'il ne va pas y avoir des problèmes au niveau des enfants? Et des choses qui vont être peut-être révélées? Enfin, je ne sais pas. On verra, ce sera peut-être plus clair dans quelques mois. Hein? Là, dans le truc qu'il faut se méfier, on a le retour. On a la trahison. Mais après le retour, donc je pense que c'est le coco qui va revenir. Vu les cartes, vous comprendrez après pourquoi. Mais d'entrée, j'ai compris. On a le changement. Donc, on change de saison aussi. Donc, on a le retour de quelque chose. Donc, là, on est dans la joie. Et puis, eh ben, on va nous casser tout ça, hein, parce que ça va nous séparer de nouveau tout ça. OK? Voilà. Ensuite, là, on a des réunions pour le monde par rapport au coco. Ça va être dans un certain territoire. Hein, mais là, vraiment, ça va être la cata. En plus, là, ils font des choses pas belles. Et la Chine, ben forcément, elle est dedans. Et les gens, ils en ont marre. Ils veulent vraiment des gens qui gouvernent pour la liberté. Et la Chine, je sais pas ce qui va s'y passer, si c'est lié avec ça. Mais clairement, ça va pas être top. Là, on nous dit que ça va être sportif ce qui va se passer, qu'il y a des alliances qui se font avec des militaires et la médecine. Donc, est-ce que les militaires vont pas peut-être rentrer en jeu là, hein, mettre, donner leur aide parce que ce sera peut-être, je sais pas, la catastrophe ou voilà. Je sais pas. C'est vraiment un tirage très très énigmatique. Ensuite, on a l'homme de pique. Donc, l'homme de pique, je dirais pas forcément que c'est quelqu'un... Voilà. Qui cache des secrets. Qui vont être révélés, apparemment. Par un homme de cœur. Et on a le jardin et l'encre. Donc, le jardin et l'encre nous indiquent que... il faudra se mettre dans des lieux sûrs. Il faudra être dans des lieux sûrs. Donc, pourquoi, je sais pas. On verra un peu plus tard. Donc, en tout cas, il va y avoir un sacré chamboulement au mois d'octobre. Donc, le mois de novembre en France 2022 va être encore très chargé, comme vous pouvez le voir. Hein. Donc, là, on nous dit qu'on va être coincé.
Fécondité, clairvoyance. On va être bloqué pour certaines choses. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est par rapport, par rapport que déjà ils sont bloqués pour avoir des enfants. Fait peut-être qu'on va dire la vérité sur ces choses-là. Là, on va nous faire des dons. On va nous donner un peu d'argent. C'est un projet. Pardon, c'est une projection. Ça a mené de la jalousie, mais c'est une chance. C'est une évolution qui arrive, mais c'est quand même de la chance. Donc, ça réduit ça. Il y aura déjà un jaloux, mais ça réduit tout ça. Donc, là, on va évoluer quand même. Et là, on nous dit qu'il faut continuer à être dans cette situation-là, qu'elle est peut-être bénéfique parce que, on va atteindre un grand potentiel. Il faut continuer de faire ce qu'on fait. Mais on nous parle de fatalité, d'accusation et de cadeaux et d'argent. Donc, peut-être que des gens qui étaient dans certaines situations vont être récompensés, récupérer leur argent, enfin, je sais pas. Mais il y a des accusations, donc déjà, on verra un peu plus clair plus tard. Mais là, on nous dit ça. Ensuite, là, on nous parle de informatique hacker. Pardon. Et de militaire. Donc, il y a des choses qui vont être montrées ou qui vont interpeller des gens haut placés. Là, dans le cadeau, on a une bombe. Donc, il y a quelque chose qui va vraiment... dans la projection, il y a quelque chose qui va nous être montré, peut-être qui va être bénéfique. Peut-être que les gens vont comprendre qu'il y a beaucoup de décès, qu'il faut revenir à des choses plus naturelles pour évoluer. Hmm? Bon, en tout cas, il y a du bon et du mauvais. Là, on nous parle donc gouvernement, donc c'est peut-être des dirigeants qui vont être accusés, hein, qui sont en sommeil. Il y a des choses qui sont en sommeil, mais qui vont arriver rapidement. Et on a toujours une femme. Des nouvelles choses qui vont arriver rapidement. Et on retourne de l'autre côté. Donc, on a le bateau. Donc, c'est les choses qui sont exaucées. Et l'amour. Donc, on a des choses qui vont être... là, pour nous aider, qui vont être révélés pour nous aider. Là, on a de nouveau la chance. Vous voyez, on l'a deux fois quand même. Là, on nous montre qu'on va avoir quand même des obstacles. Là, on nous montre des aigles, mais de l'amitié. Donc, on nous dit qu'il va y avoir des nouvelles choses. Et donc là, on a le 4. Donc... moi, je vois une nouvelle maison, je vois que la stabilité, elle est à la maison, moi. C'est ce que je peux ressentir. Hein. Mais le 12 aussi, les oiseaux, c'est les commérages. Hein. Donc, il y a des choses qui vont être ou projetées ou balancées. Concernant une maison, peut-être un gouvernement, ou concernant certaines choses. Hein. Mais ça va être des choses loyales qui vont être balancées. Ensuite, là, on a un homme. Hein. Bon, pour moi, l'homme du pic, c'est pas terrible. On a la tour. On a le soleil. Donc, la tour et le soleil, moi, je pense à des gens qui vont être jugés. Je pense à... ouais, des disputes, hein. Et avoir des disputes, mais il y a des choses qui vont se casser la gueule. Voilà pour le mois de novembre pour la France.
Donc pour le mois de décembre, on a évidemment la lune. Donc la lune, c'est la crise, c'est les illusions. Et pas que, hein. C'est les rêves aussi. Donc on dit qu'il travaille pour nous enfermer. Mais on a un roi qui est, je dirais, intrépide, qui est un peu, je vais pas dire un roux, mais qui va de l'avant, quoi, tout en des nouvelles idées et tout ça. Donc là, on nous parle de la naissance et des noms et d'hérédité. Donc, d'un cycle qui revient aussi tout souvent. Hein. L'hérédité, c'est. Comme on pourrait dire, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Je vais quand même regarder sur le bouquin, voir ce qu'on peut me dire sur l'hérédité, parce que je ne connais pas tout par cœur. Ouais, ça représente aussi la transformation, on a la naissance. Hein. Naître, mourir, renaître, comme ouais, voilà, comme ce que je disais. Donc, on va aller vers de nouvelles choses, donc on va encore avoir la joie. Et là, on a quelqu'un d'un peu pas très stable, de fougueux, hein. C'est un chevalier qui rigole pas, quoi. Il veut aller dans le chevalier d'épée, il veut aller dans la joie, il veut aller dans les choses beaucoup plus sereines. Il est imprévisible. Il s'oppose à beaucoup de choses. Hein. Et pour les bonnes résolutions. Là, on a de nouveau le débordement et tout. La personne qui est une traître, donc voilà. Et donc, on voit que débordé, de nouveau, on nous sépare. Il y a une ouverture. Mais il y a quelqu'un qui a pris les gens pour les cons, qui va être montré du doigt. Il y a le retour de karma. Ok? Ensuite, là, on a enfermement, transport, terre, monde. Donc, peut-être que de nouveau, tout va s'arrêter. J'espère pas, hein. Là, on a l'humain, la fraternité, Hollywood, royauté, couronne, Chine. Donc, il va y avoir visiblement de grandes choses en Chine de nouveau. Féminisme, rapidité et psychologie, contrôle mental. Donc, à force de jouer au feu, je pense que ça, ils vont le reprendre à plein fer. Parce qu'ensuite, en dessous, j'ai la chance, j'ai le soleil, j'ai le cadeau. Et j'ai que des belles cartes. Donc, moi, pas comprendre. Hein? Moi, pas comprendre pourquoi, moi, avoir que des belles cartes à la fin. Donc, est-ce que c'est une chance ce qui va se passer? Est-ce que ça va être enfin le grand changement? Va nous montrer de l'affection. Est-ce que... Ça va être vraiment un changement radical. Ça serait cool. Hein. Franchement, ça serait cool. Bon, écoutez, je vais prendre les messages de la nature. Hein. Je vais couper. Je vais prendre au hasard. Une idée comme un seul gland peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse. Donc, on nous parle d'espoir. Je vais encore couper. Je vais en prendre un autre. Ami. Les amitiés les plus improbables peuvent se former comme les arbres et le lichen se lient d'amitié. Il va peut-être y avoir une séparation, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être des gens qui vont se séparer de certaines choses ou manifester. Ok. Et croissance. N'ayez pas peur de commencer quelque chose de nouveau. Même le plus haut des chênes fut un jour aussi petit qu'un caillou.
Voilà. Sur ces belles paroles, je vous dis belle et bonne fin de journée à tous. Oh, my victory.